Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Bamar, Anika Flip, level 134, puis vous ferez un Colisum sur une nouvelle série. Donc en fait, voilà, je ferai des Colisums solo. Donc voilà, c'est un Colisum solo que je vais vous présenter, ce sera une nouvelle série en tout cas sur Bamar. Je suis en train de faire un Panda Watch, je suis en train d'XP, et ce sera en team, donc ce sera une team Panda Sacré que je serai avec mon ami Blazarm, que vous aurez l'occasion de connaître. On va tout de suite présenter les équipes, on a Melinda... un Yop 133, un Kra level 133 et moi-même un Etaflip level 135. De l'autre côté, on a un Feka level 117, un Yop 124, Waza Black, et enfin Widges un Sadi 131. Alors, moi je vais commencer par des pilous. On va pas s'ennuyer, on va faire 3 pilous sur le Pandawa. C'est le seul truc que je peux faire. Vu que, voilà, avant qu'il n'ait plus d'initiative. Donc voilà, je ratissais pas mal. Je vais vous montrer mes stats, donc voilà. Après, il faut encore que j'en mette 5. Donc là, j'aurai normalement 2112 en vita. Donc voilà, 648 en force, c'est pas mauvais du tout. Alors, ah, il met une trêve, lui. Ah, trêve au premier tour. Nada, ok. Ok, ok. Donc, une trêve au premier tour. Ah oui, donc, ouais. Attends, je vais le remettre. Une trêve. Donc voilà, je trouve ça assez étonnant. Bon, après, bon, voilà, c'est ce qu'il faut faire, une flèche empoisonnée pour les prochains tours. Bon, après, ça va jouer au Yop. Un Yop qui a des armures de Feka, c'est très bon, on va dire, dans le sens que c'est bon pour le Yop qui peut bourriner sans prendre de dommages. Bon, après, c'est... Bon, c'est une tactique aussi de mettre trêve au premier tour, hein, du son, pour que ça soit mieux. On va mettre 20%. Donc voilà, il s'est mis vitalité, puissance, épée divine, il s'est boosté. Enfin, il a Yopet qui me booste et qui fait vitalité. Donc là, c'est un tour de boost grâce à la trêve du Feka Nada. Qui va être dur à battre, je le sens. Donc voilà, la flèche empoisonnée du moins 128. Il reste 1200. Alors j'aime bien ce genre de Salida. Mince la folle, mince la folle. Et mince la surpuissante. Ça va nous enlever les PM. Ça va nous enlever les PM. Ça, c'est ennuyant. Oula, c'est bien ça. J'esquive. Enfin, non. Non, non, non. C'est pas à moi qui a été lancé. Donc, c'est. Regardez, moins 2 PM pour la CRA. Mais c'est pas. C'est vraiment pas une map pour les CRA. Ce n'est vraiment pas une map pour les CRA. Et moi, moins 3 PM. Moins 3 PA. C'est dommage, c'est dommage. Et nous, on va juste mettre un chat. En faisant une roulette. Ah, du 300 chance, ça c'est bien, ça c'est bien, heureusement, dommage qu'il y a la trêve, enfin je crois que ça va pas taper. Et je vais me faire 3 PM et je vais me mettre... pop, 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 pop. Si je me mets là, il n'y a pas de problème. Parce qu'après le futur n'est pas trop voxeur. Ah c'est bien, il a tué, parce qu'il avait trêve, donc maintenant il n'a plus de trêve. Ah, il fait de la bulle sur les chatons. Il fait de la bulle sur les chatons, mais il ne finit pas. Il va le finir avec ses pères, mais bon. C'est une solution aussi de taper le chaton. Même si, voilà, je trouve ça plus utile de taper sur moi. Mais préfère, voilà, finir le chaton. C'est une solution. Et une mise en garde. Et moi, je prends très cher. Je vais prendre très cher. Mais il n'a pas fait fraction. Il n'a pas fait fraction. C'est si utile. Oui, il a joué empoisonné, c'est une solution aussi, mais à un moment donné, il faudrait quand même rôter, même s'il y a les armures. Moi, je crois que sur du destin, ça peut très bien fonctionner. Regardez, il tape quand même bien du 200 sur... Il tape quand même bien du 200. Alors oui, j'ai changé de couleur, je suis pas satisfait du tout. Ah lui, il donne les PA, 11 PA, 11 PA, je vais prendre cher. Je vais prendre cher, mais l'épée du destin...
Voilà, du 400, ça va, je m'attendais à pire. Il a du 440, attention, attention à ne pas me finir du reste. Ouh là 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 là, attention, attention. De toute façon, c'était, si c'était un truc à prendre, un risque. Malheureusement, le Sadida a du debuff. Donc moi, si j'ai mon destin, enfin ma chance d'équerre, il va me la debuff. Et il va me finir. Ah, c'est bien ça. C'est parfait. Il perd des résistances. Et ça l'attaque. Ça attaque. Précipitation, non. Ça ne vaut pas la peine, mais bon. Non, il préfère la jouer. Ah, ça c'est bien, c'est bon, ça c'est bon. Alors, attention, attention à ne pas me faire du 800. Ouh! Ouh! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Bon, c'est la seule façon. Voilà. Bah, malheureusement, le Sadida va me débuff. C'est chiant, en fait cas. Mais après, si on finit une fika, ça serait pas mauvais non plus. Je préfère se booster. Bah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Il est quand même en 12 PA de type. Il est en 12 PA. Bon, après, malheureusement, il va me débuffer. Et je vais crever. Mais après, s'il peut s'occuper de lui. Bon, c'est dommage, c'est dommage. 6 PA, il va rien faire avec. 9 PA, il peut peut-être finir. Non. Allez, occupe-toi de lui, occupe-toi. Ouais. Il s'est pas donné PA, il les a pas pris. Mal, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il tacle pas, ça c'est bien, il tacle. Enfin, il se fait tacler, quoi. Et ça c'est parfait, ça c'est parfait. Bon après, elle va manger 3 PA cette folle. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant. Ah là là, 3 PA, ça fait mal. Ça fait très mal. De toute manière, je retiens un max. Ouais, voilà, c'était ma seule façon. Ça va être chaud, ça va être chaud ce combat. Aïe 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 aïe. Dommage. Allez, il y a moyen, il y a moyen. Il y a franchement moyen.
Aïe, attention. 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 Oh, yop. Dommage, t'es pas empoisonné, sinon, voilà, c'est dommage. Oh, là, là, revoit le sort, mince. Voilà, la crate m'aura très bien impressionné. Voilà, ça vaut 2 loot games. Magnifique, magnifique. Cette pub, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Pourtant, voilà, il avait moins de 4%, certes. Je ne m'attendais pas à cela. Il est en 12 PACPM, donc bravo à toi. Être en 12 PACPM, level 124, c'est très bien. Voilà, faut avoir un beau stuff. Bon, bien joué à vous. Bien joué à Nada. Bien joué à Widgies. Et le combat est équilibré, je trouve. Je trouve qu'il était assez équilibré. Bon, certes, on partait gagnant, mais ils avaient une bonne team. Ils avaient une bonne team. Bon, moi, de ma part, je trouve que j'ai pas très bien joué. Donc, voilà, c'est ça, voilà, ça arrive. Et ça va se terminer. Victoire. Je veux dire, bien joué à tout le monde. Voilà, bien joué à tout le monde. Et c'est le premier épisode de Bamar Metaflip. Ça aura été très très serré. Très très serré. C'est terminé sur la victoire de Bamar. Donc voilà. Après, sur papier, c'est vrai que pour les level, là, c'est nous qui devions nous imposer. Et donc voilà. Cela clôture cet premier épisode sur Bamar en Coliseum solo. Donc voilà, à plus pour de prochains épisodes. Bye tout le monde, ciao.